Ok, donc on est dans le cimetière Saint-Louis numéro 1, à Nouvelle-Orléans. C'est le cimetière où est entre autres enterrée Marie Laveau, qui est la grande prêtresse vaudou. Elle est assez connue. Normalement, les guides disaient de faire une visite guidée parce que c'est hyper craignos. On trouve ça pour l'instant assez safe. Ouais, je parle anglais. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, et puis il est 9h du matin, dimanche matin, donc on s'est dit qu'on allait y aller tout seul. Parce que les tours étaient un peu chères et surtout pas bonnes horaires pour nous. Donc voilà, donc on est là, on se promène. La particularité, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que les tombes sont au-dessus pour pas que, en cas de crue ou d'inondation, les corps remontent. Je sais plus ce que je dis. Voilà. Mais c'est très rare aux États-Unis apparemment, mais pour nous c'est un cimetière normal. Parce qu'ils sont tous comme ça chez nous, sauf que là les caveaux sont un peu plus grands. Voilà. Donc on se promène, on cherche celui de Marie Laveau. On espère que c'en est un où il y a écrit en gros Marie Laveau et qu'il y a plusieurs fleurs parce que sinon on le trouvera pas. Voilà. Ça, c'est assez petit, je pense qu'on va vite avoir fait le tour. Faut juste trouver le bon endroit. On va peut-être demander, on a croisé un balayeur. On va peut-être lui demander après. Voilà, et comme on est à la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de noms français partout. Donc là, il y a monsieur Pierre-Augustin Bourguignon d'Herbigny et Jeanne Félicité Odile de Haut de la Suze d'Herbigny.